temps. Ouais, c'est dur parce que on était revenu à 2-2, un résultat quand même assez défavorable. On était revenu et on avait l'espoir de marquer ce troisième but. Au contraire, c'est nous qui le prenons, donc ouais, il nous a fait mal et c'est difficile. Ouais. Ça va être dur de se relever de cette défaite. Ça va être dur, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, voilà, dans l'état d'esprit qu'on sera tout de suite après ce match. Et dès demain, se remettre au travail. Si on repart dans un état d'esprit avec la tête haute et de travail, voilà, on y croit, on y croira. Et voilà, tout est possible. C'est que encore la phase aller, encore des matchs n'est même pas encore finie. C'est vrai que ce soir c'est dur parce qu'on perd à la maison. On était bien revenu dans ce match et le perdre de cette manière, c'est encore plus difficile. Il y a un peu de lassitude, d'abattement qui s'installe. Non, pas encore. C'était dur là dans le vestiaire, honnêtement, pour tout le monde. Parce qu'on avait plus d'ambition dans ce match-là. Après voilà, on a créé, on a eu beaucoup de centres, on a eu beaucoup de situations, mais on n'a pas réussi, on a pris beaucoup trop de buts ce soir pour pouvoir espérer mieux. Est-ce que ça fait d'autant plus mal que vous concédez cette défaite face à un concurrent direct qui vous met à 7 points? Voilà, c'est de toute façon tous les matchs à domicile pour nous c'est les mêmes. On sait qu'on est capable de grandes choses. Aujourd'hui c'est vrai que c'est une équipe qui est dans notre partie de classement. On voulait gagner. On n'a pas réussi. Bon maintenant c'est comme ça, on avance, on relève la tête et puis on va se battre. Samy, vous avez tous dit que la trêve permettrait d'entamer une deuxième partie de championnat de manière différente. Or, vous venez d'encaisser 2 défaites sur les 2 premiers matchs. Ouais. Alors certes, il y avait possibilité probablement de faire un peu mieux en termes de résultats, mais c'est quand même difficile à digérer. Ouais, c'est vrai qu'il y avait mieux à faire, surtout au niveau des points, je pense. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser. On est conscient de ce qu'on n'a pas bien fait, des erreurs qu'on a commises. Et le premier match à Paris est celui-ci. Après 3, on ne s'est pas créé un énorme nombre d'occasions. Ils ont une grande efficacité. C'est comme ça, il faut avancer et puis on va s'accrocher. Vous prenez aussi un petit peu la grogne des supporters pour qu'ils ont sifflé la fin du match? Ouais, bien sûr. Nous aussi, comme je l'ai dit, on a abordé ce match avec plus d'ambition. On l'a abordé pour le gagner. Et on y a cru parce que c'est vrai qu'on est parti de loin et lorsqu'il y avait 2-2, on y a cru parce qu'on continuait d'avoir la maîtrise du jeu, la maîtrise de leur camp. On se procurait des situations où du moins on était dangereux et on a pris un coup sur la tête vraiment avec ce but qui est exceptionnel dans la réalisation, il faut le reconnaître aussi.